Et bien, salut tout le monde les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, compagnie de Seth, Dirlax et Julman. Donc salut à vous les gars. Donc voilà, donc en gros, Alex, donc Seth est en train de miner tranquillement, pas loin d'une des bases de notre faction. Voilà. Et de loin, il a vu un pseudo. On a été voir et regarder ce qu'on a trouvé. Oh putain, j'ai cru que j'avais mon nature, il allait fermer. Pour preuve, j'ai plein de sous là dans mon. Voilà. Donc, on va pas déplacer, hein. C'est juste pour vous montrer ce qu'il avait sur lui. Parce qu'on s'est fait piller. On s'est fait piller notre skybase. Donc, on sait pas comment vraiment. C'est pas si c'est legit ou pas. Moi, je suis pas très sûr. Mais après, on s'en fout. Mais voilà. Donc, regardez, c'est vraiment pas mal en plus. On pensait pas. Vraiment, il était tout seul. Il doit avoir tous les kits prince et tout. Donc, ça fait plaisir en plus. Voilà, tiens, je te dépêche, man. Non, mais voilà. Beau petit pillage et tout qui commence fair play. J'en ai trouvé un autre, mais on peut pas piller la base. Non, mais je sais pas pourquoi j'ai dit fair play, mais tu m'as compris. Il y a un pillage après qu'on s'est rossé. En plus, je viens d'avoir 33 opsies. Je sais pas pourquoi j'ai 33 opsies sur moi. Non, mais voilà, c'était tout. Donc, je pense que je vais reprendre pour une prochaine séquence. Je sais pas quoi. Soit un BTPTO au pire. Donc, soit une prochaine séquence pillage ou un autre truc. Je sais pas. On va voir. Donc, je vous laisse pour ce. Je vous dis pour une prochaine séquence. Allez, à toutes. Yes. Eh bien, re tout le monde, attendez deux secondes, hop, voilà, de toute façon vous verrez les coordonnées de la base ennemie, désolé, c'est parce que j'ai pas envie de me faire niquer pour ma base. Voilà, donc on se retrouve pour la suite du premier épisode de Plutonia, les gars, donc je suis compagnie de 7, donc salut à Tom qui 7. Salut. Voilà, donc je viens de trouver une petite base que des gens ont essayé de piller, il y avait un mec tout à l'heure dedans, sauf qu'ils voient pas qu'on peut minecart TNT. Merde, putain, tiens, je suis con, je comprenais pas pourquoi ça marchait pas. Donc on va minecart, voilà, voilà. On va essayer de la péter avec minecart. C'est bon? Oh, nickel, ouais, il y est. Vas-y, TP. Mais t'inquiète, l'autre, il faut le casser lui derrière. Mais je vais le faire, t'inquiète. Okay, je le casse, vas-y. Comme tu veux. Regarde là où il est, en fait. T'as vu ou pas? Ouais, vas-y, bah go péter. D'abord, faire péter ça. Le seul souci, c'est que ça met 40 ans à péter un minecart, hein, en vrai. Ouais, c'est le seul souci. Ils auraient dû changer parce qu'ils ont changé le truc des mobs, level 30, voilà. Nickel. Comme ça, là, on va faire péter les coffres, regardez. Voilà. Passe le minecart par contre et le bloc, parce que j'ai pas envie de trop gaspiller le fer, tu vois, comme pour faire les. Ouais, pour faire les. Haches de combat, tu vois, donc. Putain, tue l'araignée, s'il te plaît. Ouais, c'est les derniers. Pas grave, mais je sais que c'est les derniers, voilà. Donc, petit pillage avec le petit pillage qu'on a fait tout à l'heure, grâce à Alex, bien sûr, hein, je précise. La momie, je crois que je sais ce que c'est un mob qui donne des loot quand tu le tues, je crois. Je suis pas sûr, mais. Si vous savez à quoi ça sert la momie. Ouais, prévenez, parce que voilà, moi en plus je suis rentré de vacances donc j'ai pu jouer que 2 jours après l'ouverture donc c'est un peu chiant. Je vous le cache pas. Là, je back. Regarde. Y a pas d'autre minecart en fait. Normal, je l'ai cassé l'autre. T'attends ou. Ouais, attends. Je t'ai demandé un TP. En vrai, je sais pas pourquoi je t'ai demandé un TP alors que je slash back en fait. Ouais, vas-y, bah gonfle, fais péter en plein middle en fait. T'arrêter, hein, ça a tout. Voilà, allez hop. Fais péter au middle, là ça a tout pété, hein. Vu la. Fais péter là, hein. Ça va passer crème. Hein. Faut que ça pète, bien sûr, comme d'hab. Allez, coco. Allez, mon coco, donne-nous des beaux trucs en plus quand tu vas casser. Allez, s'il te plaît. Nickel. Ouh. Oh, il y a du stuff, il y a des potes et tout. Non, ça. Non. Ils ont des masses d'interperles. Il y a des potes, il y a un kit prince. Non, ça va, on va dire que c'est plutôt pas mal. J'ai vraiment. Par contre, dépêche-toi parce que sinon ça va. Bah non, juste si on reste là, ça va, si on reste là, ça va pas des pop. Je pense. Ouais. Je sais pas, je sais plus. Tout à l'heure, on est resté, regarde notre skypad. Je prends prio, télépad. Au pire, c'est quoi EOM BP, on verra bien. Voilà, c'est plutôt pas mal. Ça fera le petit épisode, de premier épisode de petit pillage et tout, tranquille. Voilà, donc la base est pas faite, hein. C'est tout en bazar. Normalement, c'est même pas des coffres comme ça qu'on doit mettre, c'est des coffres en. En titane, mais on est en manque de titane, hein, on va dire. Ah, 16 ans d'arpège, j'ai récupéré. Ouais, moi aussi, j'en ai la masse. Tiens. Lâche-le. Vite, remove des items dans 30 minutes. Non. Si. Bah, ça va, 30 minutes, on aura le time. Mais... 30 secondes, je veux dire. Je crois. Non, attends. Merde, non, c'est le truc des. C'est le truc de la momie, je suis con. Oh, il y a des livres. Attends, mec, il y a des livres. Prends tout. Voilà. On se crée après, Greg. Ouais, j'avoue, de toute façon ça se vend les blocs et tout, donc voilà. Voilà, ça fait plaisir. Ah merde, bah de toute façon j'ai mon. Ah putain, j'ai pas mon slash back à l'extérieur, fait chier, j'utilise nos enderpearls. Ouais, voilà, t'as pas le back, mais en plus c'est pas grave, y'a plus de coffre.
Bah oui, mais moi je repars de là pour chercher des bases après. Nien. Ah ouais. Voilà mon 900 mais le temps, hein, si vous voulez voir, hein, vite fait. Hein. Non, on n'a pas le temps, on est plus chaud. Voilà, c'est pas beaucoup, hein. Dire là que c'est trois fois mieux que nous. Si il a fait que de farmer, moi j'ai pas farmé une fois presque. Voilà. Voilà, donc prochainement Oh, il y ouais, aura j'ai des masques. un concours, sauf que le concours se déroulera sur le forum. Je vous Des masques. expliquerai. Ouais, j'expliquerai pourquoi ce sera sur le forum et tout. De toute façon, vous verrez bien, ce sera un truc posté sur le forum. Parce que je Joli. pense que la plupart des gens qui jouent sur des... Parce qu'il y en a qui participent des fois au concours et qui viennent pas sur Plutonia, tu vois. Donc la logique de participer. Donc voilà, c'est pour ça que je le fais sur le forum de Plutonia pour prouver que vous jouez, les gars. Mais vous inquiétez pas, ça va arriver prochainement. Faut juste que je farme un petit peu et tout. Parce qu'il y aura des PB normalement à gagner. Parce que voilà, j'ai envie de vous faire gagner un peu de PB. Parce que j'ai pas le temps de faire un concours pour les 700 abonnés. Parce qu'on n'a pas beaucoup de joueurs, beaucoup de launchers. On attendait deux launchers. Donc qui étaient Plutonia, bien sûr, et Blast Fight. Donc on joue. Bah moi pour les parts je joue les deux direct apparemment à l'Edif BF apparemment mais ça, en vrai à la base on était venu sur BF pour les Elo sauf que les Elo bah ça a toujours pas été fait donc c'est un peu chiant en vrai je vous le dis je vous le cache pas donc voilà mais c'est pas grave donc voilà donc c'était tout pour ce premier épisode de Plutonia j'espère que vous aura plu n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus ça nous fait toujours plaisir et continuez à vous abonner les gars on vient de se faire 25 abonnés en même pas 3 jours c'est super génial voilà je vous laisse et pour ça je vous dis à une prochaine allez peace tout le monde.